Puis là, on s'en va en santé. En santé, hey, tu vas entendre des affaires. Là, ça fait peur. Tu veux pas. Je te dis là, mange bien, mange tes fruits, bois de l'eau, dors bien, fais de l'exercice. Maintiens-toi. T'es le seul, l'unique personne que la santé a pour qui ça a une valeur et que ça tient à cœur. Tu as beau payer sur. Je comprends que tu mets la moitié de ta paye pour que quand tu vas être malade, tu aies du service. Non, mais je te le dis, là, je te donne un secret. Là. Si tu tombes malade demain matin, là, tu vas voir que ton argent ne vaut pas grand-chose. Tu vas t'apercevoir que c'est fou. Là. Puis on va en entendre plein. Là. Tu te souviens, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il avait promis quoi? Un médecin de famille pour tous les Québécois. Hey, il nous a répété ça, là, écoute, sans cesse, là, puis même pendant son mandat. Là, t'sais. Puis là, il est arrivé le gros rhume. Là, ça a tout mis ça à la glace, on s'entend. Hey, là, il s'en sortait, dans le fond. T'sais. Il pouvait tout mettre ça à la glace, puis là, devenir un dictateur. Là. C'était écœurant ce qu'on a vécu, tu le sais. Mais fait que ça, fait que sa promesse fort de nous donner un médecin de famille, il n'a pas réussi. Puis quand quand M. Dubé a creusé, a gratté un petit peu, là, parce que quand tu arrives au pouvoir, tu te rends compte de tous les problèmes, les cul-de-sac. Là. Ah non, OK. Fait que là, tu sais, les solutions rétrécissent. Là. C'est pas comme quand t'es à l'opposition, là, le sky of the limit. Là, quand tu arrives au pouvoir, là, il y a des grosses réalités sales qui te viennent te rejoindre. Puis là, tu te rends compte que tu peux pas faire ce que tu disais que tu voulais faire. Fait que lui, il a créé le guichet, là, le GAP qu'il appelle. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille puis qui cherchent un service. Donc là, tu appelles là, puis là, ils vont te trouver une clinique, là, que eux autres, c'est comme s'ils donnaient, OK, j'ai 5 rendez-vous que je peux donner. Fait que là, ça s'en va au GAP, là, il y a 5 rendez-vous là. Un autre 6 rendez-vous ici, dans une autre place. Puis ça crée des opportunités de rendez-vous pour ceux qui en ont besoin. C'est ça l'idée du GAP. C'est pas méchant, tu sais. Puis là, ils ont créé aussi des équipes volantes, là. C'est supposé voir le jour, on va en parler un peu plus tard, mais, tu sais. Tu sais, pour pallier au manque de services, là, il essaie d'être innovant un petit peu. Là, d'être... Fait que dans cette capsule-là, on va entendre M. Arsenault et Dubé sur la promesse des médecins. Ils vont nous parler du GAP, puis ils vont nous dire aussi, entre autres, imagine-toi donc, je parlais de ça avec ma femme, les pouponnières. T'imagines-toi, là, moi j'ai des enfants, là. Imagine ta femme à la couche, là. On pogne le bébé, absolument, tu pognes le bébé, il s'en va dans la pouponnière à côté, moi je le suivais avec la caméra, là. Parce que c'est un bon événement, un bel événement, ta femme à la couche, là, bon, fait que là, tu sais, tu suis le bébé, hein, tu es sûr qu'il ne le perde pas, qu'il ne l'échange pas avec quelqu'un d'autre, là. Fait que là, je suis avec la caméra, puis tout, puis on s'en va porter ça à la pouponnière, tu sais. Puis là, il est là, sur un genre de dôme, là, avec l'oxygène, plus d'oxygène, pour qu'il soit comme un coq en pâte, là, tu sais. Puis on regarde tous ses signes vitaux, puis tout est beau, tout est parfait, c'est ça qu'on veut. Mais là, imagine-toi donc, on n'a tellement pas de service, que là, ils n'ont pas de pouponnière dans l'hôpital que t'es, par exemple, dans la région. T'accouches là. Ils pognent ton bébé, puis ils sortent de l'hôpital, ils s'en vont le porter ailleurs, dans un autre hôpital, où il y a une pouponnière. Hey! Aïe! Aïe, c'est-tu inhumain, ça, faire ça? T'imagines, ton bébé qui sort de ton ventre, tu ne l'as même pas vu, ou à peu près, là, il sort, puis il s'en va dans un autre hôpital. Ah! Au secours! Tabarnouche! La présidente, une des promesses phares de la CAQ en 2018, c'était un médecin de famille pour chaque Québécois et chaque Québécoise. En 2022, le gouvernement a plutôt décidé de briser cette promesse-là. Le ministre a annoncé une entente avec les médecins pour la prise en charge des patients orphelins par les GMF. Une entente historique, disait-il. D'habitude, quand on pose un geste historique, Madame la présidente, on s'organise pour que ça s'inscrive dans l'histoire et que ça dure un peu plus que 2 ans. C'est pas ce que le ministre a fait. Et si le guichet d'accès à la première ligne est menacé aujourd'hui, c'est que la CAQ a renié sa deuxième promesse phare en santé, celle de revoir le mode de rémunération des médecins. Une proposition que nous portons également au Parti québécois, mais que la CAQ n'a pas eu le courage de mettre en œuvre. On a plutôt offert des primes aux médecins avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Madame la Présidente, le GAP, c'est la solution de la CAQ et du ministre de la Santé. Comment va-t-il faire pour ne pas laisser en plan les 900 000 personnes qui en dépendent? La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la Présidente, encore une fois, j'apprécie la question parce que ça s'est tellement parlé dans les dernières semaines que je pense que c'est important de préciser les choses. Oui, d'ailleurs, je rappellerai qu'en 2022, le député était là lorsqu'on a fait le projet de loi 11
Et on était très conscients avec l'opposition qu'on faisait quelque chose de différent en passant d'une prise en charge individuelle à des médecins qui nous disaient « on n'est plus capable de le faire, on n'est plus capable de le faire », versus une prise en charge collective qui était une nouvelle façon de procéder. Que le premier ministre avait dit « je pense que c'est important de se donner une chance puis de le faire ». Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est un changement qui a été apprécié parce que lorsqu'on a négocié avec la FMOQ, on se demandait si on allait être capable de faire 500 000 prises en charge par le procédé de prise en charge collective. On en a eu 900 000. Tout le monde reconnaît que c'est un succès. Mais... Puis ça, il y a raison là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il parle, là, tu sais, c'est quoi, là? Moi, j'en ai, je suis chanceux, moi. Je suis un des privilégiés qui a un docteur de famille, OK? Ça donne mon docteur de famille, il est malade en ce moment. Il est toujours malade. Il a une crise de cœur, là, puis il est en convalescence, t'sais. Donc, mais lui, il est dans une clinique. Donc, moi, quand j'appelle à la clinique, moi, je dis, tu moi, il est malade ou il est en vacances ou je sais pas, là. Moi, j'ai besoin, là. Fait que là, j'appelle à ma clinique. Elle dit, ah, il est en vacances. Il n'y a pas de problème parce que les autres médecins qui sont là, ils vont te prendre en charge. C'est ça qui veut dire, ils prennent en charge collectivement. Ça veut dire que là, ton médecin, il y a d'autres médecins dans sa clinique. Fait que tout ensemble, ils s'organisent pour servir tous les clients de chacun des médecins. Fait que s'il y a un médecin qui n'est pas là, ça va être un autre médecin. Il va dire, OK, demain, il y a du sans rendez-vous. Peu importe le médecin qui va être là, il va t'accueillir. Tu sais, tu prends rendez-vous, puis le lendemain, tout de suite, fait que c'est ça qui parle. Puis ça, c'est super, ça, parce qu'au lieu d'être sur le dos d'un médecin particulier, ça devient sur le dos du groupe de médecins de cette clinique-là. Tu sais, c'est une façon, là. Je trouve ça intéressant. Il faudrait que tout le monde ait accès à ça, à cette heure, c'est ça l'affaire. Maintenant, comme toute nouvelle façon de faire, il est tout à fait normal, Madame la Présidente, après un certain temps, de faire le point. C'est ce qu'on avait dit. C'est connu depuis 18 mois que la fin de cette entente-là, se terminait le 31 mai. Qu'est-ce qu'on a fait, Madame la Présidente? On s'est assis avec la Fédération des syndicats de la FMOQ. Le 29. Je reviendrai, Madame la Présidente, avec les premières complémentaires. Madame la Présidente, l'accès à la première ligne, c'est un problème, mais il y a de multiples autres problèmes un peu partout et particulièrement en région. Qu'on parle de l'Abitibi, de la Côte-Nord, des Laurentides, le gouvernement gère le système de santé par attrition, par fermeture de services. En Outaouais, les professionnels traversent la rivière pour avoir des meilleures conditions de travail et salariales. On annonce un été d'enfer à Gatineau. Plan de contingence, on veut fermer des blocs opératoires, une partie de l'urgence, le service de radiologie. C'est quoi la prochaine étape, Madame la Présidente? Fermeture des hôpitaux. C'est ça. C'est la ça. On va fermer complètement l'hôpital. Aussi, là, je vois qu'on a changé de sujet. Peut-être qu'il a apprécié ma réponse à la première question. Mais sur la question des régions qui sont en difficulté, je pense que le député a suivi ça aussi. De ce qu'on arrive avec nos équipes volantes, l'objectif n'est pas de la fermeture, c'est justement de trouver des solutions. Puis ma collègue ici, que je tiens à apprécier tout le travail que la présidente du Conseil du Trésor a fait au cours des deux dernières années, c'est d'arriver avec des conventions collectives, avec le Front commun, qui ont permis à la CSN et la FTQ de nous permettre de mettre en place des équipes volantes. Puis je demanderais à mon collègue, le député des Îles-de-Madeleine, de suivre l'actualité des prochains jours, parce qu'on est sur le point de faire l'affichage des gens qui vont pouvoir venir nous aider dans ces régions-là. Alors, on avance, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Parlons justement des équipes volantes pour la Côte-Nord. On apprend ce matin dans Le Devoir une histoire absolument aberrante où un nouveau-né à Baie-Comeau a été envoyé à Québec sans sa mère parce que la pouponnière est fermée, Madame la Présidente, faute de personnel. Les médias rapportent qu'il y aurait deux autres cas de nouveau-nés qui ont également été transférés pour les mêmes raisons. C'est inhumain, c'est révoltant. Qu'est-ce que le ministre répond aux familles de la Côte-Nord alors que cette situation découle directement d'un manque de planification du ministre? La réponse, c'est fou, ça. Est-ce qu'on demande à nos différents PDG que ces situations-là n'arrivent pas? C'est préoccupant. Je ne peux pas dire que j'accepte la situation. Au contraire, j'ai demandé à avoir un état exactement ce que c'est la bonne décision qui a été prise. Maintenant, Madame la Présidente, c'est justement pour ça qu'il faut avoir des alternatives. Il y a une équipe qui se met en place en ce moment là, pour être capable de faire l'ouverture des postes dans les prochains jours pour qu'on puisse finalement envoyer avoir le bénéfice de nos équipes volantes qui sont à mettre en place. Est-ce que le cas qui est arrivé avec cette famille-là où le père a dû accompagner le petit enfant parce que la mère venait d'accoucher, est-ce qu'on accepte ça comme situation? La réponse est non, Madame la Présidente. On va continuer de mettre en place des solutions pour que ça n'arrive plus. En question, presque. Es-tu sérieux? C'est parce que...
ça n'arrivait pas avant, ce phénomène. Ça fait une nouvelle, là. Pourquoi ça arrive, là? Ça veut dire que ça ne s'en va pas en s'améliorant, tu sais. C'est inhumain, là. T'sais, même lui, là, tu vois, qu'il est comme malheureux, il est mal à l'aise. Là. C'est sûr qu'il est mal à l'aise. Personne ne peut défendre une position comme ça, peut dire, ben oui, c'est bien correct, là. On l'a pris en charge, là, tu sais. Non, c'est inhumain de faire ça, là. Autant pour le bébé. Tu sais, bébé, je comprends, c'est un bébé, tu vas me dire, bébé, ouais, mais tu sais, l'humain, là. Les émotions humaines, là, c'est dur à expliquer, des fois, là, ce qu'on vit, là, comment qu'on grandit, la confiance qu'on a en soi ou pas. Il y a des traumatismes qu'on ne se rend même pas compte qu'on a eu quand on était petit, par exemple, puis ça nous suit toute notre vie, puis on se rend même pas compte de ça. Ça prend des... Il faut que tu travailles sur toi longtemps, des fois, pour comprendre là, d'où tu arrives, d'où tu viens, tu sais. Puis ça peut être un événement dans ta vie qui peut te suivre toute ta vie, par exemple. Le fait qu'on te sépare comme ça, là, de ta mère, là. Tu sais, c'est grave, là, de faire ça. Puis pour la mère, t'imagines? L'inquiétude. Moi, je me souviens, là, juste de mettre ta poignée, là. Écoute, il fallait toujours que je fasse le moment où au bébé, pour lui dire, là, qu'à chaque respiration, quasiment, là, pour la rassurer que tout était bien beau, là. Tu sais, le temps qu'il vérifie, parce qu'il va l'emmener, puis elle va pouvoir l'allaiter. Puis, tu sais, finalement, mais. J'essaie d'imaginer 2 secondes l'idée de prendre le poupon puis de l'amener dans un autre hôpital, là. Ça m'arrache le cœur juste à y penser. Ça n'a pas de bon sens.